Salut les amis, voilà, je viens d'acheter donc chez un éleveur un couple de Verdier Agate. Donc c'est un couple de 2019. Donc je suis super content d'avoir enfin un couple de Verdier. Par après, j'essaierai d'avoir donc un couple de Chardonneret, un couple de Tarrin, des Aulnes, et peut-être pourquoi pas par la suite. Mais bon, ça sera certainement donc tout ça pour l'année prochaine, la saison prochaine, un couple de Bouvreuil. Ce serait vraiment excellent donc pour mettre dans la grande volière paradisio. Donc ici, je les ai mis dans une petite cage d'exposition en attendant de les lâcher dans la volière. Je crois que je vais les lâcher demain. Donc comme ça, en début d'après-midi, ils auront toute l'après-midi pour s'habituer, prendre leurs repères. Donc franchement, je suis super content. Franchement, ils sont magnifiques. Enfin, moi, je les trouve magnifiques en tout cas. Et j'espère que cette année, j'aurai la chance d'avoir des petits. Et franchement, ils sont bien costauds. Ils sont de très beaux oiseaux. Donc encore un grand merci à l'éleveur. Il se reconnaîtra. Il va certainement passer sur la chaîne, voir. Donc il m'a laissé choisir entre plusieurs spécimens. Donc voilà. Je vais vous laisser les admirer un petit peu. Je vais filmer quelques minutes. Après, je vais les laisser un petit peu tranquilles. Mais franchement, c'est super calme comme oiseau. Je pensais pas que ça allait être aussi calme. Des fois, je mets mon doigt contre la cage et tout. Et allez, ils ne s'énervent pas. Ils sont pas stressés. Même quand je les ai sortis des boîtes, ils se sont laissés prendre. Facilement et tout, il n'essaye pas de pincer ni rien, c'est assez calme. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si jamais vous connaissez de bons éleveurs, donc de Tarrin, de Chardonneret en Belgique. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires. J'aimerais bien trouver ça, mais bon, je pense que ça, je chercherai plutôt l'année prochaine, donc pas cette saison-ci. Ici, le mâle, je l'ai pas encore entendu siffler, mais tout à l'heure quand je pouvais choisir, donc il y avait mis les mâles séparément et les femelles également, et j'avais choisi celui-ci parce qu'il était super joli, mais en plus c'était le seul à siffler. Voilà, j'ai coupé donc.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!